Et bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale puisque sur YouTube, vous ne me connaissez pas, j'arrive seulement. Donc là on est sur ma page Dailymotion. Et donc ça fait à peu près 2 ans et demi que je fais des vidéos. Et j'ai décidé de déménager sur YouTube pour des tonnes de raisons. Pour le côté pratique parce que certains ont du mal à les voir sur Dailymotion. Notamment sur tablette ou quoi parce que ça peut déconner. Parce que YouTube offre peut-être une plus grande visibilité, parce que bon, malgré tout, même si je fais ça avant tout pour moi, pour mes potes, pour la passion, c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on a des gens qui sont là pour répondre à des commentaires, pour vous donner des infos que vous avez pas, que vous avez oublié ou quoi. Ça fait toujours plaisir. Et donc, voilà, je tenais à vous informer que j'arrivais sur YouTube, donc j'ai mis une petite bannière un peu pour vous expliquer vite fait ce qu'il y aura sur la chaîne. Évidemment, vous voyez, j'ai 153 vidéos. Il est évident que je vais pas uploader les 153 vidéos sur YouTube, hein, parce qu'il y en a certaines, je sais même pas où elles sont. Donc vous voyez, dans les dernières vidéos sorties, vous avez la découverte de la démo de PES 2016, un bilan sur Black Ops 3, à savoir que je suis pas du tout un joueur de Call of à la base, donc ma chaîne ce sera pas du tout une chaîne mi-Call of, mi-Minecraft. Hein. Cette année j'ai décidé d'acheter Black Ops 3 pour vraiment l'essayer. Mais à la base, je suis pas du tout fan de la série, donc vous allez pas retrouver du Call of toutes les semaines, ça, y a pas de problème. Il y en a déjà trop, des chaînes comme ça, et puis c'est pas du tout mon but. Donc vous avez le premier épisode en mode dégustation. Donc là, comme son nom l'indique, on fait des commandes, Candysan, là c'est des produits américains. Et on goûte ça en direct, évidemment je fais ça avec du monde. La vidéo découverte de Mad Max qui fait plus d'une heure et la découverte de la démo de FIFA 16. On se retrouve donc vous voyez avec cette bannière dès demain. Donc sur YouTube ça commencera dès demain, donc dès mercredi, avec le test de Mad Max. Et ensuite on continuera comme j'ai toujours fait, des vidéos découvertes, des vidéos détentes, des tests, des bilans, des peut-être de l'unboxing de temps en temps. Des vidéos dégustation. Normalement, je devrais faire un nouveau truc cette année. C'est en fait de commander des petits produits, enfin du petit électronique, on va dire, sur des sites comme Tiny Deal et tout. Et puis vous montrer tout ça. Et ce sera sûrement des colis surprises d'ailleurs la plupart du temps. Donc et vous montrer tout ça. Sinon, je suis là pour partager une passion. Avant tout, être le plus objectif possible. Après, j'accepte évidemment quand j'oublie quelque chose ou quoi, qu'on vienne me le dire et tout, tant que c'est fait correctement, avec du dialogue, que ce soit pas du troll, des insultes et tout. De toute façon, vous perdrez votre temps, je vous le dis franchement. Parce que tout ça, moi, je m'en fous. Clairement. Je fais aussi ça, comme je l'ai dit, d'abord pour moi. Donc, quand il y a un jeu que j'ai décidé de pas faire, c'est pas la peine de me demander 10 fois, parce que les jeux, je les achète moi-même, faut savoir, j'ai pas de partenariat, on m'envoie rien du tout, j'achète tout moi-même, donc j'ai pas les moyens de tout acheter, et même si je les avais, je vais pas acheter un jeu qui m'intéresse pas pour faire plaisir à certains qui voudraient le voir, quoi. Ça marche pas comme ça. Je pense qu'il y a certaines personnes qui croient que les youtubeurs leur appartiennent et qui leur doivent quelque chose, mais on doit rien à personne, nous, hein. On fait les vidéos parce que ça nous plaît de les faire, parce qu'on a envie de les faire. Si c'est un jeu qui nous intéresse pas, on le fait pas, quoi. Voilà, il y en a qui le font quand même, malgré tout. Mais ces gens-là, on peut mettre la passion de côté, je pense, hein. On peut oublier le mot passion pour eux. Donc voilà, moi, quand un jeu me plaît pas ou j'ai pas l'intention de le faire, je le fais pas. Après, si vous voulez que je le fasse, au pire, hein, vous me le payez, vous me l'envoyez. Ça, je veux bien le faire. Mais bon, je vais pas demander à des gens de me payer un jeu et de me l'envoyer juste pour leur faire plaisir et leur faire une vidéo d'une heure, quoi. Je veux dire, à un moment, je suis pas là pour ça. Mais bon, moi je vous le dis, si vous voulez absolument que je fasse un jeu et que j'ai pas envie, à ce moment-là, vous me le payez, hein. On va faire ça comme ça. Vous voyez, sur Dailymotion, j'ai un système de bannière qui change à chaque fois avec la date de la prochaine vidéo.
Malheureusement, sur YouTube, c'est assez galère le truc de bannière, donc je peux pas faire ça à chaque fois. Donc, sur ma bannière YouTube, il y a le lien Twitter, le lien Facebook et le lien vers ma chaîne Dailymotion qui apparaissent directement sur ma bannière YouTube. Si vous voulez savoir quelle vidéo va sortir et quand, je vous conseille de vous abonner à Twitter ou à Facebook. Sur Facebook, c'est sûr, j'oublierai jamais de mettre la bannière. Sur Twitter, je partage les vidéos, mais c'est vrai que des fois, j'ai des oublis sur les bannières, les machins. Donc, j'essaierai d'y penser vraiment. Donc, je vous conseille de vous abonner à la page Facebook et même au Twitter. Et vous retrouverez à chaque fois la bannière ou la photo du jeu, du prochain jeu avec son jour de sortie. Parce que sur YouTube, je peux pas faire le système de bannière comme là. Parce qu'ici, en fait, il suffit de prendre une photo, d'écrire dessus, de la recadrer, et ça marche. Sur YouTube, il faut que la bannière, elle soit cadrée. Mais il faut qu'elle, en fait, il faut qu'elle passe sur les téléphones, sur les PC et sur les télés. Du coup, c'est un format assez spécial. Et même avec le grand format qu'il vous demande, en fait, il cadre qu'une petite partie de la bannière. J'ai vachement galéré pour en faire une. Donc, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, si vous voulez voir vraiment quelle vidéo sortira et quand, il faut vous abonner à la page Facebook ou la page Twitter. Puis vous abonner à la chaîne directement, comme ça, dans votre fil sur le côté, avec vos abonnements, vous verrez quand il y a quelque chose qui arrivera. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à dès demain pour le test de Mad Max. Et puis ensuite, on continuera comme j'ai fait sur Dailymotion, de la détente, de la rigolade, des tonnes de choses, des petites surprises, enfin voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine et j'espère vivre une aussi belle aventure sur YouTube que sur Dailymotion. À la prochaine, salut à toutes et à tous.